phone, you're out with your kid. So God, I'm a man, what do you mean for you are licking a fellow, Ilam. They have the good name, Chelal Bali. So lucky, Suki, what he bubri. The poor man, you know. Lekine palo ilam ne adde bubri so leki findi wadi nyamri koto yemen fo nessa mamado jabi. Mimi ma pure leki senga wi lede manguleki usto senga wi lede mendañ bubri senga wi lede menaf kule men na fen jawdi men. I'm a man, I'm a man, So, you are a little bit. Lekine falo ilam ne adangur ndamme chelal bali so leki suki wadi bubri na pore men yo ngai. Lekine falo ilam ne adde bubri so leki findi wadi nyamri koto yemen fo nesam. Bonjour d'abord monsieur Jabi. Je vous remercie vraiment donc de cette interview. Et d'autant plus ce que nous faisons, ça doit être vraiment immortalisé. Tout le monde est venu nombreux, que ce soit l'administration, que ce soit le corps professoral, les élèves, tout le monde est là. Donc pour tout simplement, en tout cas, respecter, je vais dire, en tout cas donc la politique, en tout cas de monsieur le chef de l'État. Voilà, donc aujourd'hui on est là, c'est une journée donc d'investissement humain, comme vous l'avez dit, mais nous avons accompagné donc avec un reboisement. Et tout se passe bien présentement. Tout le monde est là.
Voilà, comme vous l'avez constaté vous-même, la cour est remplie d'élèves, donc tout le monde est au travail. Je ne cesse d'appeler les parents pour qu'ensemble qu'on puisse relever le défi, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans cet établissement-là et qui portent préjudice donc aux enseignements-apprentissages. On les félicite d'abord donc de la question de l'eau qui a été un problème fondamental. Maintenant, on a l'eau qui coule à flot, ce qui d'ailleurs nous permet tout simplement donc d'initier cette journée donc de reboisement, parce que là où l'eau n'existe pas, la vie est pratiquement incertaine, entre guillemets. Voilà, donc je lance un appel solennel à tous ces parents-là, en tout cas de nous aider donc à améliorer les conditions donc de l'école, à créer un climat attrayant, donc si vous voulez, donc pour que tout le monde, en tout cas, puisse se sentir à l'aise. Voilà. On est en train de faire un reboisement au niveau du lycée de Madine Ndiadbi. Il y a également quelque chose à signaler, c'est-à-dire que Goléré, ville verte, dirigée par Abou Bakr ici, nous a octroyé quelques pieds, à savoir des flamboyants, des fromagers, des mantelis et également quelques arbres fruitiers. Voilà. Bon, je loue cette appréciation et ce geste noble que Goléré a fait. Et vraiment pour participer également à cette journée de Madine Ndiadbi et particulièrement à la grande journée qu'on appelle une journée de reboisement. Voilà. Fouta Motopompe a jugé nécessaire de participer aux journées de cette CETAL, commandité par le ministère de tutelle. Et on a voulu apporter notre contribution dans ces journées donc plein de sens, en reboisant donc plus de 25 arbres ici au lycée, et ce sera fait bien entendu à l'école 1 et à l'école 2 aussi. Donc Fouta Motopompe a prévu donc de faire des reboisements dans ces structures éducatives. Bonjour, je m'appelle Sidi Ba, je fais la classe de TL2. Cette journée, c'est une journée pour nettoyer l'école et on fait l'aboisement. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est une journée qui est vraiment bon pour l'école et aussi l'environnement aussi. Il faut que ça soit propre. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous avons creusé le sol pour faire le reboisement des plantes. Aussi, on a arrosé les arbres pour qu'ils puissent vivre. Pour que les plantes puissent vivre, il faut qu'on les arrose chaque jour. Surtout les soirs, nous les élèves, il faut qu'on organise des groupes. Chaque classe doit avoir des groupes pour arroser les arbres, pour qu'ils puissent vivre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on calminama kadi on ñaganama Allah moƴƴere. Donc ene wayno hande ko pitté day ɗo e lycée Madina. Reboisement woni awgol leɗɗe. Donc ɗum ɗo ko hunde mo ganduɗa ala foof ko ɓuuri ɗum moƴƴu, ala ko ɓuuri ɗum yodde. Kadi vraiment kala citoyen baɗo wonde woto fota ne ganduɗa e élève walla e musée walla ko nandi hen, kala citoyen baɗo wonde ene foti arde jagga hen junggo muɗum. Donc ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ene kala ɗo jiiɗa hande guila président de la république ha e ministre walla ko nandi hen, goto fof rew ko école. Donc noon école kala ko wawi wonde ene jaari hunde foof. Eyyi no ɗum ɗo ɓuurano mbay ni école kadi ko noon wayi, saabu sen jii hande yode hilifaɓe diine to banggue diine waɗi hilifaɓe kadi ganduɗa ɓe kadi koto ko ganduɗa to banggue aadaji men ko wayno ministére uji walla maire uji walla président de la république pesque ɓen foof nani hen. Donc kala ganduɗa hande jaltuɗo école, hande gonɗo cadre a yalti ko école. Donc école kala ko wawi wonde eɗen pour wadde hen juuɗe meɗen. Donc ɗum ɗo ala ko ɓuuri moƴƴude, mbiɗa ñaago rek a moins élève aji ɗi kamɓe koyeɓe yooɓe tinno, par ce que hol ɗum
hande jango e jam so gornobe hande hebi hay so ko place ina way wirtade lycée Madina wi a min de kido de ledde ko minen gawno dum donc élevage bi min ñakata tinno hobbe jagga hen no moj jango e jam mbi suka mabbe ala be gonay tinni suka mabbe a minen de ko minen gawno de do ledde suka mabbe ngare ciako hen ta rawno ngare ciako hen donc kamen dum don mari ñago élevage kayo tinno e ledde gawade parce que ko kambe jey dum hay goto ci ya mi salmini vraiment kadi weltunima museji lycée Madina e collège mudum vraiment be ndari darnde tinde vraiment ala fu ko mbadani parce que façon fo e darnde be ndari kambe ndari be gawi ledde de be pitti mbadi huni fof vraiment machallah minen darnde amene foutu mor pom finalement ko ganda ko wallondirde e ganda e der Sénégal fof mi wiyani foutu tan foutu mor pom kanyum ko entreprise mo ganda ala kerol kadi ko multi service vraiment kala do ganda do golle ene jalti min so min kollira so min kollira so min jibi mbadde no fodde amen dum no vraiment machallah be weltini mon. Bonjour, je me nomme Massouba, je suis en classe de TL prime. Moi, je constate que les élèves font leur travail comme il se doit. D'après ce que je vois ici, c'est extraordinaire. Je demande aux élèves de ne pas y mettre les eaux du crêpe parce que ça cause beaucoup de problèmes. À chaque année, je vois des élèves verser sur les arbres les eaux du crêpe et ça, c'est pas bon. Je conseille d'arroser les plantes chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, il faut arroser les plantes. Pour qu'il puisse. Je m'appelle Malik Ndiati. Donc à l'école, c'est pour nous. Et on est là aussi pour faire le nettoyage, car c'est que on doit travailler dans la propriété, dans l'harmonie aussi avec les professeurs. C'est pas difficile pour avoir les plantes, mais ouais, c'est entretenir. Chaque jour, il faut arroser au minimum, parce qu'on avait là-bas l'exemple d'Ablaï Samadjad qui avait eu son bac. Il avait planté ici un arbre et durant tout son poursuite scolaire, il a arrosé, mashallah. Donc c'est un exemple, oui, c'est un exemple pour tout le monde aussi. Il a réussi aussi en laissant ici son arbre. Donc il ne faut pas travailler, un vrai citoyen doit travailler pour tout le monde. Il ne faut pas travailler pour soi-même, mais il faut travailler pour tout le monde. Merci beaucoup. J'avais dit la journée nationale de propreté des écoles. Le lycée de Madina Ndiadjbé a répondu présent. Voilà, les élèves sont là, ils se sont bien mobilisés. Les professeurs, l'administration, voilà, tout le monde est présent pour participer à cette journée de propreté. Mais également profiter de l'occasion pour organiser une journée de reboisement. Collaboration avec Fouta Motopompe, voilà, voilà, pour créer, voilà, en tout cas un lycée vert, un lycée de Madina Ndiadjbé vert, c'est possible. Voilà, nous avons reboisé quelques dizaines de plantes. J'espère que la prise en charge va suivre. Les élèves, l'école, les professeurs, tout le monde, voilà, va y mettre la main pour entretenir ces plantes-là, pour que demain, voilà, ça puisse nous servir. En tout cas, la propreté est un facteur clé, voilà, au sein de l'établissement. Et j'espère que nous allons répéter des journées de ce genre pour donc pérenniser cette salubrité-là. Également, voilà, le reboisement pour en charge les plantes pour que demain, ça continue en tout cas de servir voilà, l'établissement. Voilà, par rapport à l'impact que cela peut avoir, en tout cas, ça peut aider à ce que les élèves restent au sein de l'établissement lors des pauses, lors des récréations. Et voilà, c'est un bien, l'arbre voilà, donne de l'oxygène, c'est quelque chose de bon pour la santé. Et également, voilà, c'est une éducation en tout cas civique que nous donnons aux enfants et que voilà, ces enfants-là vont continuer donc à faire parvenir aux autres générations. Par rapport aux Madinois, je ne dirais pas aux Madinois de la diaspora seulement, je dirais aux Madinois en entier, que ce soit ceux qui sont sur place, que ce soit ceux qui sont dans la diaspora, voilà, de continuer à aider le lycée. Surtout à nous aider à terminer les salles de classe qui sont là, à les équiper, voilà, parce que ça va aider à améliorer voilà, le niveau d'apprentissage, surtout quand nous avons des salles
suffisante. Quand nous avons suffisamment de tables bancs, suffisamment de matériel didactique, ça facilite le travail des enseignants et ça facilite le travail des élèves. Ça les met dans de bonnes conditions et j'espère que si cela se fait, c'est un bien pour Madina Ndiadjbé, c'est un gain pour le lycée et si c'est le lycée qui gagne, ce sont des cadres qui sont formés ici, c'est le lycée de Madina Ndiadjbé, c'est Madina Ndiadjbé en quelque sorte qui gagne d'une manière générale. Merci M. Diaby, je pense que l'amicale des élèves et étudiants est une structure qui a toujours collaboré avec nous. Ce n'est pas une première fois qu'ils ont eu à collaborer avec le lycée. Je leur lance un appel, qu'ils continuent sur cette lancée-là. Comme vous l'avez dit, ce sont des anciens du lycée. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'ils ont renouvelé le bureau. Le président que j'ai entendu nouvellement élu était mon élève en classe de terminale. Donc, comme vous voyez, ce sont des anciens. Ils ont quitté l'école, ils sont allés à l'université. Et je pense qu'ils vont continuer à venir appuyer le lycée sur tous les côtés. Toute action collective qu'ils peuvent mener pour que ce soit dans le bien du lycée, ils sont les bienvenus. Nous leur tendons la main et nous leur demandons de continuer à accompagner leurs petits frères et leurs petites sœurs. C'est une joie immense, c'est un plaisir de rendre fier tout le village de Madina Ndiadjbé, pas seulement le lycée. Surtout féliciter le mérite de ces élèves-là qui ont eu à amener le prix des Yvelines. Ils ont travaillé d'arrache-pied et ils ont fièrement représenté le lycée et le village de Madina Ndiadjbé. J'espère bien que cette fierté va booster en tout cas les élèves, et non seulement les élèves, mais tout le village de Madina Ndiadjbé, à surtout continuer à cultiver l'excellence. Comme d'habitude, nous avons toujours les mêmes projets, œuvrer pour le bien du lycée, œuvrer pour l'excellence dans le lycée, et faire de telle sorte que le lycée de Madina Ndiadjbé soit parmi les meilleurs, et sur tous les côtés, côté environnement, côté résultat, côté infrastructure, sur tous les côtés, nous allons toujours mener les combats qu'il faut pour que le lycée de Madina Ndiadjbé soit parmi les meilleurs, si ce n'est pas le meilleur du Sénégal. Merci beaucoup, M. Diaby. Une très belle appréciation concernant les collègues d'abord, l'administration du lycée qui s'est mobilisée, tout le corps professoral, mais également l'ensemble des élèves. Nous avons noté ce matin une mobilisation très importante de tous les acteurs de l'établissement, mais aussi les partenaires. Et parmi ces partenaires, on peut citer l'association Fouta Motopompe, qui a mobilisé et des plantes, mais également du matériel pour la réussite de cette journée.